Jeudi 5 août 2021 que la délégation de la République démocratique du Congo, conduite par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Jean-Marc Kabund à Kabund, est arrivée à Lusaka en Zambie pour une mission d'observation des élections présidentielles, législatives et locales qui se dérouleront le 12 août prochain. Accueilli à l'aéroport international Kenneth Kaunda de Lusaka par une délégation de l'ambassade de la RDC en Zambie, la Corporation des médecins congolais et trois représentants de la Fédération UDPS Zambie en tenant compte des mesures barrières. Cette mission se déroulera pendant 10 jours et la délégation des élus de la RDC est constituée des députés nationaux et sénateurs, membres du forum, des parlements, des pays membres de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. L'honorable vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabund à Kabund, a aussitôt entamé sa mission ce matin par la capture et identification de sa délégation pour l'obtention des accréditations d'observateurs des élections prochaines en Zambie. Il sera ensuite reçu par le président de la commission électorale zambienne. Au sortir de cette audience lui accordée à la maison des élections, l'honorable vice-président Jean-Marc Kabund à Kabund a pris la parole, se disant confiant du bon déroulement de ces prochaines élections. Nous sommes venus dans le cadre d'observation électorale pour les élections du 12 août ici en Zambie. Nous avons été sollicités par le forum parlementaire, la SADC, afin de venir ici observer les élections. Donc, en tant qu'observateur, nous avons été accrédités aujourd'hui. J'ai profité de l'occasion pour rencontrer le président de la commission électorale de la Zambie. Et nous avons eu un entretien très fructueux parce que nous avons fait le tour de la question. Nous avons pu analyser, selon les informations qu'il a pu mettre à notre disposition, et analyser la situation électorale ici en Zambie. Mais nous sommes confiants parce que la Zambie est un pays qui a une tradition électorale stable. C'est un pays politiquement stable aussi. Cette première journée de mission du vice-président de l'Assemblée nationale a été marquée par une visite du mausolée des anciens chefs d'État zambiens.